écoutez Alger chaîne 3, le journal. Dans l'actualité, la conférence africaine des startups avec une forte participation pour cette deuxième édition. Des expériences sont présentées à l'occasion. Le projet de loi de finances 2024 prévoit la relance du FSPE, un fonds spécial pour accompagner les exportations hors hydrocarbures. Des experts estiment qu'il faudrait rendre ce mécanisme plus efficace. L'agression sioniste se poursuit à Gaza. La caravane de martyrs s'allonge. La résistance continue de tenir tête à l'armée d'occupation après 2 mois. En Cisjordanie également, les actions se poursuivent. Le ministère de l'Éducation met en place un système de signalement de l'état d'échauffage dans les écoles. Les chefs d'établissement accueillent favorablement cette mesure. Et avant de développer ces titres, le général d'armée Saïd Chengriha a reçu le chef d'état-major des forces terrestres tunisiennes, le général d'armée Mohamed El Roul. C'était en marge de la 17e session de la commission militaire mixte chargée du suivi de la coopération bilatérale. L'Algérie réaffirme son engagement à mettre son expérience en matière de start-up au service du continent africain. Le président de la République l'a souligné à l'ouverture de la conférence africaine des start-up qui se poursuit ce mercredi. Une deuxième édition qui connaît une forte participation, notamment celle d'exposants venus présenter leurs projets. On retrouve depuis le Centre international des conférences Samia Alloun. Une deuxième édition qui se caractérise par un sommet ministériel, soit un plan d'action, une feuille de route pour aboutir à des résultats concrets, faire bénéficier les pays d'Afrique des innovations issues de la jeunesse africaine. Sid Ali Zaloukhi, directeur général de l'accélérateur public Algeria Venture. À l'instar de l'ONU, le groupe G77, l'Union africaine, ils ont mis un plan d'action l'année passée qui a été approuvé par la 42e réunion de l'Union africaine. Cette année, c'est la mise en action de ces résolutions-là. Et puis, il y a aussi le secrétariat de cet événement qui a été créé. Donc il y a des points focaux représentant 53 pays africains qui sont réunis. Des entrepreneurs qui développent à la fois des systèmes de gestion intelligents pour la gestion d'entreprise. Braham Semir, fondateur de la start-up Otloptech. C'est un système de gestion des inventaires physiques, des stocks et des immobilisations pour avoir une image réelle sur l'ensemble des informations d'entreprise. Des outils numériques, le machine learning employé également dans le secteur des finances. Des start-upers algériens sont intéressés par l'exportation de leurs services vers les pays africains. Bessen Djar, fondateur de FinOutsource, spécialisé dans la gestion financière. Il y a un besoin effectivement dans le marché africain après avoir réussi et à réaliser quelques projets sur le marché local. Donc effectivement, c'est ça le but d'aller vers le marché africain. Peut-être on va commencer par le Sénégal. L'innovation comme moyen principal de lutter contre les différents fléaux qui planent sur le continent africain, tout en se focalisant sur l'aspect formation, sur la valorisation des compétences et les encourager à rejoindre l'écosystème entrepreneurial africain. Et en matière de développement de start-up, l'université apporte sa pierre à l'édifice. Elle constitue un milieu propice pour l'émergence de l'innovation et la création de start-up. C'est dans le cadre d'une vision économique globale, explique Toufiq Hammoum, chef de mission au cabinet du ministre de l'Enseignement supérieur, extrait de l'invité de la rédaction. C'est la locomotive essentielle pour la promotion et le développement de l'économie nationale. Donc c'est une projection prospective à long terme. Donc ça passe d'abord par la stratégie à adopter, la méthodologie aussi et l'approche à adopter. Et puis ça passe aussi par la formation, la création de cet environnement. Donc cet environnement doit se baser sur la création d'espaces qui doit accueillir ces projets. Parce que c'est toujours au stade de projet qui doit aboutir à un diplôme et la création d'une start-up comme aboutissement à un projet innovant. Le projet de loi de finances 2024 adopté à la majorité à l'Assemblée populaire nationale, 18% des dépenses prévues par le texte sont destinées à l'investissement public, un investissement qui bénéficie de plusieurs mesures de soutien, entre autres le FSPE, Fonds de soutien pour la promotion des exportations, qui est réactivé. Il faudrait aller plus loin cependant pour rendre le dispositif plus efficace, estime Ali Beynassri, consultant en commerce extérieur au micro de Nalima. C'est une excellente décision, mais il faudrait que le ministère du Commerce, la promotion des exportations, prenne des mesures
définitivement pour régler le passif. Il y a près de 1400 dossiers en instance. Quand on traite un dossier, tout passe par le contrôleur financier. Il faut savoir que le contrôleur financier au niveau du ministère du Commerce, de la Promotion des Exportations gère les finances du ministère, gère les finances du Centre National du Registre du Commerce, gère les finances d'Algex et gère les finances de la CACI. Donc c'est une charge assez lourde pour lui. J'avais proposé de voir comment renforcer les contrôleurs financiers chargés uniquement de traiter le passif et de laisser le contrôleur financier habituel à traiter les dossiers qui vont arriver au cours de l'année. S'il n'y a pas cette mesure-là, s'il n'y a pas un renforcement de 2 ou 3 contrôleurs financiers pour traiter, on restera toujours avec un passif aussi lourd. Dans le cadre des instructions du président de la République lors de sa dernière visite d'inspection dans la wilaya de Tindouf, le ministre de la Santé a procédé ce matin à la mise en place ou à l'inauguration plutôt de l'unité d'oncologie de l'hôpital Silhaouès, toujours dans cette wilaya de Tindouf. Nous aurons à y revenir. 61e jour de l'agression sioniste contre la bande de Gaza, les bombardements aériens, mais également à l'artillerie, n'épargnent aucune région de l'enclave. On écoute à ce propos le journaliste palestinien Omar Nazal. Il est contacté par Karim Abnour. L'hôpital de l'Aouda est le dernier hôpital qui fonctionne au nord de Gaza. Il est encerclé maintenant par les chars sionistes qui veulent l'évacuer. Il y a à l'intérieur 200 personnes du personnel médical blessées et malades, ce qui veut dire la fin du dernier hôpital au nord de Gaza qui soigne des victimes. En parallèle, il y a un appel urgent pour installer un dispensaire pour traiter les cas urgents à l'hôpital Eshifa, qui a été démoli par les sionistes. La situation au nord de Gaza est catastrophique. Tout un régiment de l'occupant se trouve là-bas et il commet des massacres à l'encontre de la population, à l'hôpital ou au centre de regroupement des réfugiés. Et cette agression pourrait durer encore. Le chef du gouvernement de l'entité sioniste veut aller jusqu'au bout pour atténuer l'échec qu'il a essuyé jusqu'ici. Il faudra compter avec une résistance qui ne lâche rien. L'analyse du politologue Amjad Shihab, il répond depuis Al-Quds Rabea Slimani. Je pense que la guerre va durer encore à cause de la résistance palestinienne qui défie encore, continue de résister contre cette occupation, contre cette agression. Que la guerre continuera, je pense, jusqu'à la fin de l'année ou peut-être au mois de janvier. C'est le temps qu'a donné les États-Unis à l'État colonial de continuer ses crimes afin d'arracher une victoire, d'éviter une victoire politique pour le mouvement de la résistance palestinienne. Et en attendant, le bilan est très lourd, poursuit Amjad Shihab. Après 60 jours de guerre contre la bande de Gaza, par l'armée sioniste, le bilan est lourd. Plus de 20 000 martyrs, 45 000 blessés, des milliers de cadavres sous le combre, 10 000 frappes aériennes contre la bande de Gaza, 40 000 tonnes de bombes tombées sur les habitants de la bande de Gaza. La situation humanitaire insupportable et la guerre continue. La communauté internationale qui regarde tous ces crimes, tous ces viols de droit international sans rien faire. Les Américains, le pays d'Occident qui autorise ces crimes de continuer en défendant un État colonial, en profitant la division des mondes arabo-islamiques pour continuer ses crimes. L'entité sioniste veut aujourd'hui mettre en place une force internationale pour protéger ses intérêts en mer Rouge. Elle pourrait essuyer une fin de non-recevoir néanmoins de la part de Washington, selon l'analyste en question militaire Wassef Ourekat. Il intervient depuis Al-Quds. Il est contacté par Karim Abnour. La mer Rouge constitue une menace pour les Américains et je pense qu'il lui sera difficile d'accepter une extension de la guerre puisqu'ils ont ramené pour cela les porte-avions, les sous-marins nucléaires et ses forces dans la région. Et tant qu'il y a une agression, je pense que la situation restera tendue et apte à exploser et à s'étendre.
Netanyahou a été vaincu par les forces de la résistance palestinienne et c'est pour cela qu'il ne veut pas que cette défaite soit à cause des Palestiniens et il veut étendre sa guerre hors de la Palestine pour impliquer les Américains et leurs alliés, pour prétendre à son peuple qu'il mène une grande guerre contre plusieurs fronts et pas uniquement palestiniens. L'association algérienne Al-Baraka est toujours mobilisée à Gaza pour venir en aide aux personnes déplacées, surtout les enfants orphelins. L'un de ses centres a été bombardé hier, bilan 18 martyrs. Elle compte également 20 martyrs parmi ses bénévoles. Depuis le début de l'agression sioniste, l'association mène actuellement une campagne pour collecter des aides, explique Aziz Diel, l'un de ses membres. Il en parle à Hamid Belkassem. Nous sommes en train de préparer une grande campagne. Les wilayas, ils sont en train de voir comment préparer un grand convoi qu'on va faire passer par l'Égypte en coordination avec l'État algérien. Donc nous sommes en train de faire des démarches. Nous bénévoles, ils sont en train de faire un travail et se multiplier avec une solidarité importante. Mourad Sarir, un ancien officier supérieur de l'armée marocaine, retrouvé mort le week-end dernier, une mort suspecte. Le défunt est en fait un déserteur considéré comme un déserteur, un lanceur d'alerte qui n'a jamais cessé de dénoncer le Marzen. On écoute à ce propos Gamal Abina, analyste politique. Il est joint par Rabea Slimani. Avec l'assassinat de Mourad El Sarir à Tanger, qui a été trouvé, semble-t-il, inconscient dans les rues, amené à l'hôpital et finalement finira par décéder des suites de circonstances qui sont encore à élucider, on imagine très difficilement l'idée qu'il soit mort comme ça spontanément, alors qu'il était devenu, après avoir déserté les rangs de l'armée marocaine, un lanceur d'alerte qui désignait effectivement les différentes dérives du pouvoir et particulièrement la liaison entre Israël et le Maroc, alors que actuellement la bande de Gaza est bombardée de façon barbare par l'entité sioniste. Et il avait décidé effectivement d'énoncer cela, comme beaucoup de Marocains d'ailleurs qui sont opposés à cette paix séparée, à cette capitulation avec une entité sioniste raciste. Donc cet homme a, semble-t-il, été éliminé. Il est revenu en 2022 au Maroc dans des circonstances aussi assez troubles et je pense que la pression qui a été exercée sur sa famille a dû participer à son retour. On l'a considéré comme un déserteur et aujourd'hui, malheureusement, il semble qu'il ait été assassiné. Des prisonniers civils sahraouis du groupe Gdeï Mizik incarcérés dans les geôles du Marzen entament ce mercredi une grève de la faim. Ils protestent contre les conditions de détention et les mesures discriminatoires dont ils font l'objet. Le ministère de l'Éducation propose désormais un système numérique pour signaler l'état des appareils de chauffage dans les écoles, une démarche bien accueillie par les chefs d'établissement, notamment du côté de Bouera. Sur place, Aris Chachoua. Afin de suivre de près la situation dans laquelle évoluent les établissements scolaires et être renseigné des difficultés rencontrées, notamment la qualité du chauffage, le ministère de l'Éducation intègre dans la plateforme numérique du secteur une fenêtre spéciale via laquelle tous les soucis liés à la chaufferie et qui ne peuvent pas être réparés par les moyens des établissements seront instantanément transmis à la tutelle. Abdelhamid Ouadji et Hayat Hajou, directeurs et directrices respectivement du CEM Larbi Ben Mehdi de Sourlozlan et de l'école primaire Atmani Mohandalski de Chorfa. Il s'agit d'une fenêtre dans la plateforme numérique qui permet de signaler toute panne relative à la chaufferie instantanément au niveau des établissements scolaires. Alors, de cette manière, les responsables du secteur sont informés à temps et donc la réparation se fera sûrement plus rapidement par rapport aux années passées. Alors, quand il y a une panne qu'on ne peut pas réparer avec nos moyens, on la signale sur la plateforme et les services concernés procéderont à la réparation. À souligner que même les Walis de la République peuvent avoir accès à cette application, ce qui permet un suivi rigoureux de la situation des établissements scolaires. Bouira, Aris Chachoua, Al-Jishan 3. Le froid s'installe notamment à l'intérieur du pays. Les appareils de chauffage tournent à plein régime pour assurer l'approvisionnement en gaz dans les régions non raccordées au réseau. Naftal a fait le nécessaire. Samira Dardish, directrice commerciale de la branche GPL, contactée par Hamid Belkassem. Il s'agit en première partie l'approvisionnement où il y a eu l'affrètement des navires supplémentaires
pour l'approvisionnement GPL VRAC des sources Alger, Bdjaya, Eskigda, et ce, à partir de la source principale qui est Arzeux. Bien évidemment, il y a eu la reconstitution et le maintien des stocks GPL VRAC à 80% des capacités existantes, ainsi que 100% pour le butane conditionné. Il y a aussi des campagnes de sensibilisation qui ont été lancées. Ces campagnes ont ciblé beaucoup plus les populations des zones enclavées ou des localités dépourvues de points de vente de la bétresse, et ce, afin de remplir toutes leurs bouteilles vides avant l'arrivée du froid. Et ainsi, on peut éviter les ruches et les tensions sur les points de vente. Sonelgaz s'attelle à équiper les domiciles des abonnés en détecteurs de monoxyde de carbone. La deuxième étape est entamée à Sougaras. Il s'agira d'installer 7000 appareils supplémentaires, nous dit Sadar Borawi. 18 000 détecteurs de monoxyde de carbone ont été installés depuis le lancement de l'opération datant du mois d'avril de cette année en cours à travers plusieurs communes et localités éloignées. Par contre, 7 000 nouveaux détecteurs viennent d'être réceptionnés et font actuellement l'objet d'installations par des équipes de la Sonelgaz en plus de 40 entreprises sélectionnées pour cette opération. Cette pause, rappelons-le, est considérée gratuite comme il a été instruit par les autorités de l'État avec un contrôle des installations intérieures de la maison pour vérifier la conformité avec les normes de sécurité. Et selon des techniciens de Sonelgaz chargés de cette opération d'installation, le détecteur de monoxyde de carbone doit être installé dans la même pièce que la source de ce gaz, tout en respectant une distance de 1 à 3 mètres par rapport à l'appareil combustible, qu'il soit radiateur, chauffe-bain ou chaudière, et sera fixé sur le mur ou au plafond. Et là, le détecteur doit être éloigné de tout obstacle. De Sougaras, Sadq Borawi pour Al Jazeera 3. Et on revient à cette rencontre organisée dans le cadre de l'accompagnement des entreprises pour le soutien de la relance économique. Elle est initiée par la Direction générale des douanes avec la Chambre algérienne de commerce et d'industrie. Le compte-rendu d'Ibti Halad. L'objectif est de contribuer à soutenir la relance économique en encourageant la production locale, en soutenant les exportations hors hydrocarbures et en renforçant l'assistance aux opérateurs économiques dans leurs opérations d'importation et exportation, notamment en les informant sur les facilités et les procédures douanières. Une occasion aux acteurs économiques de comprendre les règles d'origine fondamentales dans le commerce extérieur entre les pays et au cœur de divers accords commerciaux, régionaux et internationaux. Les participants sont encouragés à participer pour acquérir une compréhension approfondie de ces règles qui varient selon les accords conclus entre les parties afin de bénéficier des avantages préférentiels inclus dans ces accords. Voilà, et l'actualité, c'est également la neige qui fait son retour. Karima Bounour nous en dira plus dans quelques instants. On arrive à la fin de ce journal réalisé par Ardouane Siassi.